cherche. Oh, c'est dangereux. Parce qu'ici, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a que du travail. Ça, quand il arrive, limite, on le... Oh, ah ouais. Je comprends pourquoi Flequigno est le go muscu avec le plus de succès. La magie sombre. Juste un mage noir. Pour Brutus, ouais, c'est une voilà. Scoop, tu vois. Juste une scoop. Eh, hey, la Triforce. Oh là 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 là. Oh, le seigneur tous. Le truc, c'est que tu viens à peine d'arriver. Regarde ce que nous avons préparé. La Triforce du pré-workout. Ça me réjouit grandement. Ce que je te propose, c'est que sans plus tarder, nous trinquions à ce camp d'entraînement qui va être légendaire. Ouais, ouais. L'objectif de ce camp d'entraînement, c'est de devenir plus fort, de devenir plus balèze. Et de reprendre 100 kilos. Allez, ouais. À nous. On calme bien frais, chacun. Oh, il a one-shot. On va leur prendre tout leur goûter. C'est plus creux, ouais. On va tout leur prendre. La rigolade est terminée. Place au training. Allez, oui, le... Il a sorti un ballon de sa poche. Vas-y. Gros, vas-y, donne là. Tu vois les deux Jim Brown derrière comme ça. Allez, gros. Moi, quand j'étais petit, je pouvais jamais faire les fêtes. Parce que... je pouvais pas gonfler les ballons. Mon daron, hier, il m'a dit... Ah ouais, c'est vrai que c'est... t'as perdu un peu. J'ai fait... aïe. Moi, tu sais, à un moment, je m'étais fait une entorse à la clavicule. Tiff, elle est là, elle pourra témoigner. Du coup, tu sais, je pouvais plus bencher. À un moment, Anissa, elle me fait « Ah, mais t'as plus du tout de pec, en fait. » Et là, j'étais en mode... J'ai activé le Sharingan. Après, j'étais en mission pour venger mon père. T'es mal les pecs, là, j'ai plus de pecs, là. T'es mal les pecs. Comme moi, quand j'avais 5 ans, je me suis inscrit au foot et qu'ils m'ont dit « Tu cours pas assez vite. » La muscu et le power, c'est des gens qui sont brisés à l'intérieur, voilà. Pour différentes raisons. Chacun ses raisons. Soit parce que leurs meufs ont dit qu'ils ont pas assez de gros pecs, soit le daron il a dit « Ah bah, t'es tout fin ouais. », soit les copains en primaire, ils voulaient pas de toi parce que tu comprenais pas les ballons. Mais après, ça te force. On est tous en forme. Combien pour vous, monsieur Tuss? 240. Ah, 50. Tu sais comment on appelle le squat au Canada? La flexion de genoux. La flexion rotulienne bat sur le dos. Vol. Oh, y'a rien du jeu. Le mood du camp d'entraînement. De 10 en 10 load. Ah, au revoir. Oh, ah oui. J'aime bien. Oh, rappelle-toi, Flequigno, il a commencé le power il y a environ 8-9 mois, c'est ça? Ouais, 9 mois. Il venait, il faisait 180. Et là, il fait 3 singles à 2-10. Je me rappelle, il y a genre vraiment, je pense, 2-3 mois. 2-10, ouais, c'était, non, c'était 2-10, ton match. C'était un peu ballon gonflé, tu vois. Tournée, c'est Flequigno qui a Khalas. Et la deuxième tournée, bah, je Khalas. Le bureau des powerlifters n'est pas le bureau des pleurs. Parce qu'ici, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a que du travail. Je vais régler ton problème. Ok? Un Flequigno. Je croyais que c'était notre qu'à manger. Il voulait manger le micro. Gros, t'es un animal. Gros, en même temps, Fleck, tu sais qu'entre hier et aujourd'hui, il a mangé 500 grammes de flocons d'avoine. Repas terminé, c'était incroyable. Waouh, tu es un Doberman. Messieurs, parlons peu, parlons bien. On va se faire la deuxième tournée parce que là, on doit faire une séance d'exception. Cette séance marque le début du camp d'entraînement.
Hey, toi, tais-toi et concentre-toi là. 250, ils vont pas squatter tout seuls. Si jamais moi je prends pas deux fois, je suis déjà. Fleck. J'suis en dilo, gros. Gros, tu veux pas faire 240 en dilo au deadlift? C'est ça le problème. En fait, le problème de Fleck, c'est que tu sais lui susurrer les mots doux à l'oreille. Là, il est en mode. Oui. Oui, j'ai envie. Allez hop. Allez hop. Aujourd'hui, c'est moi qui suis le mage noir. Bon, messieurs, à cette séance qui continue d'être exceptionnelle. Skull. Orange, mangue, soda. Fraise, framboise, myrtille. Champion, vas-y. Tu veux, si tu veux, je te chante. I am the storm that is broke. T'arrête. Non, mais tous les beatmakers SoundCloud, là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, je vais le refaire pour eux. I am the storm that is broke. De 50, ils vont pas squatter tout seuls. En gros, allez, ciel, on y va. Fais le boulot. On garde tout, on envoie. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Oh, je suis en forme. Flex, c'est un mème. Mais moi, je me suis choqué, gros. Pauvre, ton pote va faire un boulot à ta daronne. Oh, je suis en forme. C'est facile pour toi, ça. Allez, Titi. Allez, gros. Oh, oui. Chose. On est d'accord que là on va mettre 150 kilos, ouais. Ok. Si jamais tu rates tout en bas, t'as fait le chien, biscuit pour chien. Par contre, tu la rates genre, je sais pas, genre là. Là tu t'es battu, et donc c'est noble de se battre. Ça me va. Ah ouais, ciel, ciel, là il y a la goutte. Ciel, il va être en mode, il y avait pas de pause, les places elles ont décollé. C'est mon gars, et s'il est meilleur que moi, j'ai qu'à progresser. Oh. Mais... mais je suis mais si je bench moi, ma mère la c***. En plus, sa daronne, elle regarde les vidéos. Ouais, non, maman, ici là, voilà. Dans le bec, voilà. Désolé. Voilà. Si t'as outbench aujourd'hui, t'appelles ta mère, tu dis maman, je suis qu'une merde. Ouais, en fait, c'est pas elle le problème, c'est moi qui constitue le problème. C'est toi qui es merde. Tu l'as voulu, tu l'as voulu, tu l'as voulu, ta chine, tu t'arraches un peu là. T'as fait le taf. Maman, on est safe. Tu la bench. Oui. Tranquille. Oui. Je veux pas l'attaque du caillou, tu crois? Le jeu d'or du caillou. Soulever de mort. Ou bien le lever de tronc. Attends, Fleck, on est d'accord que là, pour la première fois de ta vie, tu vas faire le jump 170 de 20. Oui. Oh. Merde. Tu peux le refaire? Oui. Ouais. Oh là là! Oh, c'est dangereux! Oui.
Bon, chaque série compte. Là, c'est la dernière série. J'ai déjà fait les trois séries à 2,50. Sa dernière série, qu'est-ce que j'ai dit? 2,60. Parce que chaque répétition compte et nous rapproche de notre objectif. Cette série, il va la cuisiner. Pourquoi? Celui qui trouve, il est fort. Ben, allô. Ça va être une série de Lignac. Bon, on va invoquer le Cyril Lignac qui est en nous pour cette série. Cyril, toi qui es tout là-haut. Alors, pour finir cette petite séance, Fleck, t'avais une proposition à nous faire. Un petit max traction. Parce que la dernière fois qu'on avait fait ça, j'avais fini dernier. Bon, pour que ce soit fair, ce que je propose, c'est que je me retourne, tu donnes trois numéros. Ok. Et comme ça, l'ordre, il est déterminé au hasard. Okay. Donc vas-y. J'ai pas compris. Bras tendu, tendu. Ouais. Fleck, il était en mode. Ah ouais. Bah écoute, fallait pas faire 2 mètres. En lui disant de tendu, comme ça, il est foutu. Bah, c'est à vous, monsieur Etus. Moi, je propose qu'on pronostique. Moi, je prono 19. Ok. Je prono 20, du coup. Je pense que je vais en faire 23. Tout ça. Je pense. Okay. Fleck, me déçoit pas. Faut que tu lui mettes une drill. À qui? À toi. Là, c'est plus son terrain. Faut qu'on montre un peu qui on est, là. Gros, tu vas voir. Je vais te faire une Robespierre. Je vais tous vous décapiter. Tous. The Robespierre. Alors, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore, 11, encore, allez, allez, 12, 13, allez, 14, tu peux encore, 15, encore, 16, allez, bah, allez, lâche pas maintenant, 17, encore, lâche pas, 18, oui, va la chercher, allez mon gros, la dernière, la plus importante, allez, oh. Ça, c'est le boulot, ça. Bon, messieurs, je pense que là, cette première séance du training camp,
On a fait une dinguerie, hein. Je suis claqué, mais j'ai hâte de la suite. Ça annonce la couleur. Une single à 140 au bench, une tentative à 150 qui était pas loin. Moi, je dis, tu sais, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps en mode est-ce que c'est plus facile de bencher à Fitness Park? Et oui, c'est plus facile de bencher à Fitness Park. Et du coup, je pense là dans la semaine, juste pour faire un petit kiff à Affleck, on l'amène à Disneyland, on va à Fitness Park et il claque 150, comme en légende. Ah là, je suis chaud. Et moi, vite fait, je mets 5 plaques en légende, tu vois. Oh, Mais. Avant ces réjouissances, d'autres réjouissances. C'est le moment de manger là, parce que en vrai j'ai envie de faire la diète, mais là le problème c'est que on n'avait pas calculé que il est 22h30, on est dans un Airbnb, on n'a pas de course. Et là, casse les couilles. Hey, dépêche-toi de faire tes dernières séries là. Je viens de passer, chef. Ah, il me fait chauffer la tête le boy là. Madame, je peux avoir un second dessert, s'il vous plaît? Le durable. Le second service. Il n'y a pas plus grande satisfaction dans la vie d'un mec qui va à la salle, c'est tu t'entraînes, tu manges, tu prends ta douche, et après tu te couches. Là, ce soir, avec la séance qu'on a fait, tu connais le mème de Pikachu, là? On va tous être comme Pikachu. Je précise, tous les jours de là, toute la semaine qu'on va avoir, ça va être du DZD. 9-10 heures de dodo, réveil. Il y a un trou dans le bras à chaque fois. Ouais, c'est genre, en fait, quand tu te lèves, tu fais ça, et après tu fais... Oh! Gros, il a mis genre la moitié du sandwich dans sa bouche. Moi j'ai goûté. Ah non mais là, allez. Bon, les boys, il est actuellement minuit et demi et nous partons en direction de la villa des powerlifters. Ah putain, let's go. Oh là 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 là. Eh, hey, tous ceux qui ont dit que le power ça allait pas payer. On a acheté ça, c'est à nous pendant 5 jours. Vous avez capté? Voilà la chambre de ciel. Je sais pas s'il le casse. La petite chambre de ciel. Oh oui. Oh oui, c'est bon, la poussière, c'est ok. Le petit shaker. Post-training, très important. Les protes pour optimiser la récup. Avec le sommeil, comme on a dit, très important. Le banger de chez MP, c'est la petite caramel salée. C'est, je le reconnais, c'est tout ce qui m'a mis dedans. C'est... Non, c'est une petite masterclass. Mémorable. Mais tu sais ce qu'on disait des fois? C'est vraiment une question de mindset, d'environnement, tu vois. Là, t'étais pas en mode un truc, t'étais en mode, ouais, aujourd'hui, je vais faire le boulot, je vais faire ce que je peux faire. Gros, t'as sorti une putain de séance, hein. Ah, surtout que j'avais la frustration de la semaine. J'étais là, genre dans mon lit. Tu sais, t'es dans ton lit, t'es le malade. Puis t'as... En fait, tu peux rien faire, quoi. Prends trop pour acquis le fait d'être en bonne santé, de pouvoir s'entraîner comme on veut et tout. Et encore, c'était qu'une gastro. Ah ouais, imagine, imagine les trucs plus chauds. C'est pour ça, profitons de la force tant qu'on l'a, tu vois. Et entraînons-nous dur, tu vois, sans chercher d'excuses. Moi, c'est comme ça que je vis, c'est comme ça que je m'entraîne. Et c'est comme ça qu'on va vivre là pendant une semaine. Bonjour. La fête est finie ou elle fait que commencer? Couleur. Couleur. C'est bon. Tu vas le goûter, je vais le goûter. Ah oui, on fait une interview.